Salut à tous et bienvenue à tous sur un nouveau Dog News centré autour de Uncharted. Ces dernières semaines, nous avons eu le droit à quelques informations et il est temps de faire un petit point en vidéo. On commence par l'annonce surprenante concernant une attraction qui va ouvrir à Port Aventura en 2023. Le parc d'attractions espagnol a confirmé qu'une montagne russe centrée sur Uncharted allait ouvrir l'année prochaine. Normalement, cela devrait être centré autour d'une attraction en intérieur qui va reprendre les thèmes du film Uncharted avec Tom Holland. L'autre point concerne cette fois la licence Uncharted. Depuis plusieurs mois maintenant, des rumeurs circulent autour d'un nouvel opus d'Uncharted. Beaucoup de rumeurs laissent sous-entendre que Sony San Diego pourrait développer un Uncharted 5 sous la supervision de Naughty Dog. Dernièrement, ce sont des insiders qui viennent de confirmer que Naughty Dog ne serait pas les développeurs du prochain jeu Uncharted et que ce nouvel opus ne devrait pas être une suite, mais un reboot de la saga. Ce qui signifie qu'un nouvel Uncharted est bien en cours de développement par un studio interne de PlayStation, mais pas par Naughty Dog. Les Dogs seraient cependant superviseurs du projet. Un reboot signifie que c'est un départ à zéro de la licence, ainsi le prochain Uncharted pourrait être un jeu qui repart à zéro avec ou sans Nathan Drake. Mi-octobre, PlayStation mettait en ligne une offre d'emploi pour recruter une équipe qui allait avoir pour mission de travailler sur une franchise adorée de Naughty Dog. Tout porte à croire qu'il s'agit d'Uncharted. Si c'est le cas, il faudra pas s'attendre à une annonce de sitôt, puisque selon les insiders, la décision du reboot a été prise en cours d'année et le développement n'en serait donc pas avancé, il serait même au tout début de ce dernier. Le jeu pourrait donc arriver dans plusieurs années. Voilà pour cette petite mise au point sur la licence Uncharted et les dernières actualités autour d'Uncharted. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne, sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Salut à tous !